Salut tout le monde, bienvenue à Mange-moi le pigeon. Je suis le pigeon et j'ai encore faim. Donc, bienvenue dans mon humble demeure. Je ne suis pas dans ma voiture pour cette review parce que je voulais pas manger deux burgers de suite. Donc, il y avait une vidéo juste avant qui était la review du Whopper fromage bacon du Burger King. Maintenant, toujours au Burger King, on va tester le burger. Apparemment, c'est nouveau, le burger poulet croustillant cajun. Donc, essayons ça dès maintenant. J'ai la bête ici. On va développer le Saint Graal du burger au poulet, apparemment. Apparemment, je peux voir que c'est assez épais, hein, comme. Ouais. Dans le fond, finalement, dans les burgers au poulet que j'ai testés, j'ai seulement testé le Chick-fil-A à Plattsburgh. Ça fait presque 6 mois, peut-être un peu plus que ça même. Donc, j'ai pas beaucoup de comparatifs à part mes expériences personnelles de burger au poulet. Donc, on va essayer ça tout de suite. Mais on peut voir, il est assez, encore une fois, tout garni, tomates, laitue. Je vois pas de fromage. Oui, il y a du fromage. Il y a du fromage, il y a du fromage. On y goûte dès maintenant. Tout de suite. Tout de suite, le goût de cajun n'est pas trop piquant, mais oui, il y a vraiment l'expérience du cajun là-dedans. Croustillant, on le goûte, le crispy. J'aime vraiment bien. Le côté crispy, le côté crispy et épicé. Ça manque peut-être un peu de sauce, mais. Puis aussi, je dirais que le. Je vais prendre une dernière bouchée juste pour la forme. Un peu plus de sauce dans celui-là, donc. Peut-être que c'était mal réparti. Il est un peu sec quand même. Mais une belle expérience avec. Ça doit être une sauce. Peut-être une sauce barbecue cajun. Mais. Ouais, ça goûte bien, ça goûte bon. Ok, donc c'est l'heure de la note sur 10. Attention. Pour le burger. Poulet croustillant cajun du Burger King. La note sera de 7,9. 7,9 sur 10 pour ce burger. Donc, c'est un très bon burger. Je vous conseille de l'essayer une fois, honnêtement, si vous aimez. Le côté épicé, vous aimez des burgers au poulet. Par contre, comparativement à celui que j'avais déjà testé au Chick-fil-A, le burger là-bas au poulet, c'est la Rolls-Royce des burgers au poulet, mais il est très, très acceptable. Donc, 7,9 sur 10. C'était la review du pigeon. Bonne fin de journée.